Et salut à tous, alors je vous retrouve, j'ai reçu une nouvelle carte cadeau, je rappelle que je suis en partenariat avec Jiffy. Ils m'ont dit en fait qu'il y avait toute la série, on va dire, décoration extérieure, mobilier, de jardin, tout ce qui est petites chaises, tables, transat, tout ça, tout ça. Mais moi j'ai pas de jardin, j'ai une petite courette qui a un très beau potentiel d'ailleurs, qu'il faut juste que je range. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa que je la décore, que je l'aménage. Donc ça sera peut-être à voir par la suite. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses, on va dire, plutôt de déco pour la maison. Un petit peu de vaisselle, un petit peu de... Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence avec ces petits cubes en bois. C'est des cubes tiroirs. Il y avait 6 modèles différents. J'en ai pris 3. C'est très joli. Super. À l'envers, donc on tire et puis voilà, on vient mettre ces petits trésors, des petites choses. Sur celui-là, on a une petite pampille dorée, pompon rose, et c'est un graphisme un petit peu art déco gris. Ouais, il est super sympa. Le deuxième, il y a toujours la petite pampille dorée, mais cette fois elle est grise avec un graphisme différent mais tout aussi joli. Et le troisième, et oui, c'est vrai, toujours une petite pampille, cette fois-ci blanche, avec franchement un très très joli dessin d'oiseau. Je trouve que les éléments les uns à côté des autres, ça rend vraiment très très bien. Et on peut, comme je vous disais, en rajouter encore. Ouais, il y a 3 autres modèles, je crois, différents. Après, dans vos Jiffy, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, je sais pas. Mais je l'ai trouvé plutôt très mignon, ces petits tiroirs. Je suis tombée sur cette série de bols. Alors, Be Happy, Don't Worry, Good Morning, This Is My Bowl. Ils sont vraiment super mignons. Ça peut être aussi une jolie idée cadeau. C'est un support que j'utilise beaucoup. Donc, le fait d'en avoir des différents, c'est plutôt sympa. Et même si on reçoit du monde, c'est très présentable, je trouve. Ensuite, j'ai craqué pour ce support bougie qui est doré. Et je trouve que la finition est plutôt... pas mal réussi. Je trouve qu'au niveau du pied, il est vraiment, vraiment très élégant. Et vous voyez, on peut mettre des bougies aussi bien rondes, rectangulaires, un petit peu plus hautes, un petit peu plus basses. Et ça peut se mettre très facilement sur une étagère, un petit meuble, une table. Voilà, je suis très contente de cette trouvaille. Ensuite, il y avait cette composition qui existait également avec le support plastique noir. Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de murs blancs, d'éléments blancs à la maison et je trouvais que ça serait pas mal. Où je vais le mettre, j'en ai aucune idée, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez original. Tu peux le placer aussi bien sur un mur que de façon plate, sur une étagère. Je ne sais pas encore, mais ça va trouver sa place, c'est quasi sûr. Et ce côté carré m'a pas mal séduit. Ensuite, et c'est vrai que c'est assez rare que chez Jiffy je prenne des éléments comme ça, c'est une poêle un petit peu sauteuse de la marque Tefal, Simplissima. Ça convient pour tous les feux et également les inductions. Démarrage idéal de cuisson pour une cuisine savoureuse. Et ce que j'ai aimé, c'est ce côté quand même assez profond, donc pour venir faire sauter des éléments, voilà. C'est vraiment la poêle que je souhaitais avoir. Dans la partie vaisselle, j'ai trouvé ces petites assiettes. Alors, c'est vrai que c'est le côté rose poudré qui m'a pas mal plu. Elles sont quand même très plates, hein. C'est-à-dire qu'il faut peut-être pas prendre des plats en sauce, hein, parce que ça risque de tomber. J'ai pris, je les ai toutes prises en fait, hein. Il y en avait, il en restait 5. Et ouais, je les trouve vraiment jolies. C'est plutôt intéressant. Pareil, tout ce qui est vaisselle, soit elle est vraiment assez vieille, elle me plaît plus, ou alors elle est cassée. Donc je comptais également changer les assiettes. J'ai commencé par cette série. J'en ai repéré d'autres, mais ça sera très certainement pour la prochaine fois. Voilà, en ce qui concerne mes petites trouvailles, mes achats de chez Jiffy, dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez l'habitude d'aller chez Jiffy, si vous avez repéré un petit peu les mêmes éléments que moi. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire à bientôt, très certainement pour un vlog la prochaine fois. Je vous fais un gros bisou, salut.